ce qu'il veut le boss. Pourquoi il m'a convoqué? Ouais, salut collègue. Ah, salut, vous êtes qui? Je suis commissaire Roger, j'ai rendez-vous avec le boss. Ah, commissaire Roger, oh, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Oui, attends, quittez pas, je préviens que vous êtes là. Merci. Boss? Oui, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le commissaire Roger qui désirerait vous voir. Ah oui, exact, je l'avais convoqué. J'arrive tout de suite. D'accord, d'accord. Donc il arrive, impatienté. Ouais, je te remercie. Commissaire Roger, je présume. Oui, c'est ça. Oui, oui, c'est la première fois que vous venez ici, hein, parce qu'on n'a pas l'habitude de faire venir les officiers, les commissaires de toute la brigade du pays. Hein. Ici, comme vous l'avez remarqué, il s'agit des grands bonnets de la police, quoi. Du coup, c'est moi qui vous contrôle. C'est moi votre supérieur à tous. D'accord. Donc suivez-moi, nous allons. Donc j'ai beaucoup de choses à vous dire. Vous portez une arme sur vous? Ça a sonné. Oui. Attendez, je la pose là. Oui, posez-la. Oui. Parce que interdit aux armes. Et ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de voleurs dans notre complexe. Pas encore heureux. Oui. Donc là, je vous présente Louis Blanchard. Bonjour Louis Blanchard. Bonjour. Et là, nous avons nos charmantes secrétaires. Ah oui. Ouais. Très sexy, oui. Et oui, hein, Suzy. Bonjour Suzy. Voilà. Et ici, nous avons William. Ah. Ah, ben au téléphone, je vais m'occuper. Waouh, c'est un sacré... Donc voilà. Donc oui. Hein. Nous l'avons découvert dans les fonds marins. Waouh. Ouais, c'était ça appartenait à la Seconde Guerre mondiale. Regardez, il y a encore les initiales d'Hitler marquées dessus. Oui, c'est ce que je vois, ouais, tout à fait. Donc ici, nous avons trois supérieurs hiérarchiques à vous aussi, parce qu'il y en a un qui contrôle le nord du pays, l'autre qui contrôle l'ouest du pays, et l'autre qui contrôle l'est du pays. Ah oui. Oui. Bon, là, ils sont plutôt en train de contrôler leur café, là. Ah vous savez... Bon, nous allons rentrer dans cette pièce. D'accord. Donc faites comme chez vous, hein, asseyez-vous. Donc, alors... Oh, très confortable. Ah oui, ils viennent de chez Ikea, mais c'est la nouvelle commande qu'on a reçue la semaine dernière, parce qu'avant on avait des fauteuils, tu sais, du faux cuir qui s'effritait partout, et du coup on a mis du haut de gamme, quoi. Ah oui. Donc, commissaire, déjà, je tenais à vous féliciter, hein, parce que, donc bien sûr, c'est la première fois que vous me voyez, hein, parce que quand je convoque des officiers, c'est pas pour rien, parce que la plupart de tous les officiers du pays, hein, ni même votre fils, ni même l'adjudant Bernard, dont vous êtes tous les deux, hein, un peu les vétérans de la police, ne m'ont vu, il y a que vous de la brigade côté centre qui m'a vu, donc voilà, je vous ai convoqué parce que j'ai appris que dans un mois, normalement, vous partez en retraite, c'est ça? Oui, c'est ça. Du coup, j'ai pas une très bonne nouvelle à vous annoncer, j'espère que ça va pas trop vous déranger, mais je voudrais que vous restiez encore plus longtemps dans la police. Ouais, mais je suis vraiment désolé, mais j'ai appris par mes gardes, tous les fugitifs qui sont en fuite,
Donc apparemment, vous avez du pain sur la planche et voilà, seul vous, adjudant Bernard et lieutenant Albert, comme vous êtes les meilleurs de la brigade, si vous partez, il restera plus que l'adjudant Bernard et puis le lieutenant Albert. Et du coup, voilà, à eux deux, c'est mieux d'être, voilà, c'est d'être un peu plus. Donc vous quoi, et c'est pour ça que je vous demande de rester un peu plus longtemps dans la police pour classer toutes ces affaires. Bah écoutez, ça me dérange un peu. Bah je sais, hein, on a tous hâte d'être à la retraite. Bah oui, c'est moi, j'arrive à mes 62 ans, je veux pas faire comme ce qui se passe en France, 64. Ah ouais, mais vous savez, il y a d'autres pays où ils vont jusque 67 ans. Ouais, mais dans la police, en principe, on part plus tôt. Oui, je sais, mais on n'a pas de... ce que je veux dire, c'est qu'on n'a pas des officiers aussi doués et aussi rapides et efficaces que vous et l'adjudant Bernard et le lieutenant Albert. Bon, écoutez, on va se mettre d'accord. Allez-y, je vous écoute. Je suis partant pour travailler un peu plus. D'accord. Mais il faut que mon salaire suive. Et tous mes collègues, bien sûr, je pense aussi à mes collègues, vous leur faites une augmentation. Bon, déjà, je vais vous dire un truc. Puisque vous acceptez de faire du RAB, eh ben, je vous propose d'augmenter votre salaire. D'accord. Et déjà, l'adjudant Bernard, c'était prévu qu'il soit augmenté parce qu'il est aussi efficace que vous. Et lieutenant Albert, qui est quand même plus jeune, est quand même assez efficace. Et j'ai bien cru comprendre qu'en ce moment, il recrutait un nouveau. Oui, c'est ça. Et comment ça va avec le nouveau ? Bah, écoutez, il s'en plaint pas. Bon, il s'appelle comment déjà ? Comment il s'appelle Mince. Ah, oh, la billet, ça me fait perdre la tête. Bon, c'est pas gênant. Comment... Voilà, ce que je vous propose, est-ce que demain, dans la journée, vous avez entendu parler d'un meurtre qui s'est passé... je me rappelle plus l'endroit. C'est dans une aire de repos, là. L'aire de repos... Masse. L'aire de repos... je ne sais plus comment il s'appelle, mais ça va me revenir. L'aire de repos, le... Le gigot, voilà, le gigot. Ah oui. Il s'agit du motard, du biker Richard. Il me semblait que celui-là, vous étiez à la poursuite de ce biker pour homicide, il me semble. Oui, c'est ça. Et ben, il s'est fait descendre à l'aire de repos, le gigot. Et du coup, je voudrais que vous et l'adjudant Bernard... vous allez sur les lieux demain pour comment enquêter là-dessus à l'aire de repos, voir si vous y trouvez des indices. D'accord, oui. Et voilà, et j'ai cru comprendre que d'un autre fugitif, Jackie Wang, vous avez eu des nouvelles, apparemment il serait découvert du côté du désert, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça, mais ces deux loustiques-là, parce qu'il y en a un autre, sont très compliqués à localiser, enfin, ils sont assez malins. Et qui est l'autre que vous parlez ? Bart. Ah oui, Bart, j'en ai entendu parler de ce voyou. Mais Bart, lui, il n'était pas du côté du désert, j'ai entendu parler que de Jackie Wang. Bon, ce que je veux vous dire, c'est qu'il faudra que vous disiez à votre fils, lieutenant Albert, et le nouveau, là. Parce que le nouveau, il ne sait pas à quoi ressemble un interrogatoire. Non. Eh ben, lieutenant Albert, il pourra le former à un interrogatoire, et il faudra qu'il aille avec lui dans le désert, apparemment, au bar, là, où avait été tué Ferdicelle.
Ouais, ah oui, vous êtes déjà, ah bah oui, vous êtes déjà allé pour enquêter sur la mort de Ferdicelle. Ah oui, c'est ça. Non, parce que apparemment, d'après des témoins, ils auront vu justement le fugitif Jackie Wang rentrer dans ce bar. Donc, il faudra que vous allez, ben, que votre fils et l'officier qui prend en charge aillent dans ce bar pour justement enquêter. Et peut-être qu'avec cette Suzette, vous en saurez plus. D'accord. Bon, Ça me va comme ça. voilà. Du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc, encore merci d'avoir respecté ce temps avec moi. Hein. Donc, du coup, de m'accorder ce temps. Ouais, il n'y a pas Donc, de souci. je vous raccompagne jusque la sortie. Merci. Ouais, voilà. Donc, Mais encore par désolé. contre, Hein. on n'a qu'une parole, hein. On n'a qu'une parole, c'est-à-dire. Je suis bien d'accord de travailler plus longtemps, mais la paye, il faut qu'elle suive à moi et aux autres collègues, hein. Parce qu'il y a mon autre collègue qui devait pas tarder à partir, je crois, c'est 6 mois après, en retraite, hein. Oui, je sais, l'adjudant Bernard. Oui. Oui. Oui, bah oui, vous vous suivez tous les deux. Donc, oui, je sais qu'il était pas loin de partir lui aussi. Mais. On verra bien comment ça se passera dans 6 mois. Si dans 6 mois, il y a encore beaucoup d'affaires à régler, ben, il sera également convoqué, hein, et je lui demanderai également de faire du rab. D'accord. Attendez, il faut que je récupère mon arme quand même. Ouais, récupérez votre arme. Hop. Voilà. Donc, ben, encore merci de vous avoir accordé ce temps en ma compagnie. Oui. Et du coup, bah, je vous dis, j'espère que vous allez trouver du nouveau sur l'affaire. Je sais que Richard il était recherché pour homicide, donc c'est vrai qu'il méritait un peu ce qui lui est arrivé, hein, vu qu'il avait quand même tué froidement un innocent. Mais un meurtre, c'est un meurtre, donc faut enquêter dessus, quoi. Ah bah oui, ça tout à fait, on va faire Ouais. notre boulot et puis... Voilà, donc De toute vous façon, un allez. jour, je vous retiendrai au courant. Voilà. Donc vous allez avec l'adjudant Bernard, comme je vous l'ai dit, enquêter à l'aire d'Orpeau le gigot. Et vous direz à votre fils d'aller avec le nouveau dans le désert. Ça marche. Au bar où vous avez déjà Au enquêté pour bar à la mort de. Suzette. Voilà, au bar à Suzette. Bon. Du coup, je vous dis bonne chance et j'espère que vous allez trouver du nouveau parce que là, les témoins n'ont pas vu qui c'est qui aurait tué Richard. Il a été tué de sang-froid sur cette terre de repos. Hein, beaucoup de civils sont partis en courant. C'était vraiment l'anarchie, quoi. Donc, du coup, Non, les, mais mé les, on va aller enquêter. ouais, les médecins légistes sont passés ce matin pour. Pour essayer de nettoyer tout le sang, parce qu'ils ont embarqué le corps. Le corps, il est à la morgue. Donc, Ils ont fait des voilà. autopsies, ouais. Vous Ouais, commencez voilà, les bah, ils autopsies. ont fait des autopsies. Hein, ils ont trouvé une balle. Apparemment, ça proviendrait d'une balle d'un sniper. Ah oui. Ouais. Donc, je compte sur vous et l'adjudant Bernard pour faire le nécessaire. Ok, ça marche, boss. Bon, allez. Bah, Je vous ouais. dis à la prochaine. Bonne journée, bon courage. Merci à vous. Merci. Bon. Oh là là, je suis pas très réveillé aujourd'hui. Voilà. On a encore pas mal d'enquêtes à faire. Oh, pour me réveiller, je me prendrais bien un petit coup de café. Ah! Oh! Non! Un bon coup de rouge, ça va me donner de la motivation pour la journée. Allez. Allez, on va boire un petit coup de rouge. Ah, Burke! Ah, il y a encore de la saleté au fond de la bouteille. Bah oui. Ah, Berk, ah, il est pas bon ce rouge. On va demander à Rosie d'en acheter des nouvelles caisses. Bon,
Donc du coup... Bonjour, Rosie. Ah, bonjour, commissaire, vous allez bien? Oui, toi. Oh, bah ça va bien, merci. Dis-moi, il est où l'adjudant Bernard? Ah, l'adjudant Bernard? Bah il est arrivé, il est derrière, là, tranquillement. Ah, d'accord. Et le bébé, ça se porte bien? Ah oh oui, c'est bon, j'arrive à faire mes nuits, hein, franchement, ça va, nickel. Ah, ben c'est bien alors. Ah oui, Bon, ben je te ah oui. laisse faire ton boulot alors. Merci. Ah, commissaire! Ah, ça va? Bah, bien, bien, et toi? Alors, bien réveillé? Ouais, réveillé, ouais. Eh, la bouteille de rouge, elle est pas bonne. Ouais, mais je l'avais dit à Rosie, je crois que le bouchon est tombé dedans. Ah, bah oui. Non, mais c'est bon. Faudra lui dire d'acheter des nouvelles caisses. Ouais, bah oui. Donc, sinon. J'ai été convoqué chez le boss. Le boss, c'est-à-dire le boss de toute la police? Ouais. Oh! Pourquoi? T'as viré? Non. Ouais, tu sais, je pense que c'est un macroniste, hein. Il veut que je travaille 2 ans de plus. Hein. Ah bon? Ouais. Mais je crois que tu partais dans un mois! Bah, malheureusement, non. Oh! Et pourquoi il veut que tu travailles 2 ans de plus? Parce qu'on est les meilleurs de la brigade et puis avec les enquêtes qui sont pas. Ah mais ça Qui c'est sont parce pas. qu'on traîne! T'as vu tous les fugitifs? Bah oui, je sais bien. Et apparemment, il y a un nouveau tueur dans la ville, alors... Ouais, ben justement, il faut qu'on aille enquêter sur la mort de Richard à l'aire de repos, le gigot. L'air de repos, le gigot, il y a eu l'homicide. Oui, c'est ça. Tu sais où il y a le pont? Mais pourquoi on irait enquêter? Richard, il a eu ce qu'il méritait, c'était un tueur déjà. Ah, ben écoute, c'est le boss qui m'a donné ses ordres. Hein. Bon, bah si le boss a dit, on va y aller, hein. Ouais. Ok, bah c'est parti, hein. Bon, Rosie, on va partir sur une enquête, là. Ah, d'accord. Et Rosie, dès que le fiston arrive, Oui? tu dis qu'il part au bar de Suzette avec Emilio. Au bar de Suzette avec Emilio? Oui. D'accord. T'inquiète pas, il comprendra. Ça marche, je lui dirai. Bon, on perd À pas tout de à temps, l'heure. hein, commissaire. On a du pain sur la planche. Oui, on y va. Bon. On va à l'aire de repos, le gigot, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ouais. Ouais, tu pilotes ou je pilote? ouais, je pilote. Ouais, allez, vas-y. Oh putain, t'as mis la musique là-dedans. Allez, ma kiki! Ah, ouais, bah oui! Je sais pas qui c'est l'officier qui a écouté ça avant, hein. Voilà, c'est moitié de la techno. Ouais, moi qui ai pas trop de techno parce qu'il n'y a pas de parole. Ouais, on était violent, boum 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 boum. Ouais, voilà. Salut Rosie! Ah! Salut lieutenant Albert, vous allez bien? Oh oui, très bien, très bien, très bien. J'ai un message de la part de votre père. Mon père? Il est là, d'ailleurs, il faudrait que je lui parle. Ah non, 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 il est parti avec l'adjudant Bernard enquêter. Oh, je ne sais plus l'endroit. Ah si, à l'aire de repos, le gigot. Là où il y a eu un homicide. Ah oui, j'ai entendu parler de l'affaire là. Et justement, votre père m'a dit comment d'aller enquêter au bar de Suzette dans le désert. Il m'a dit que vous comprendrez. Ah oui, c'est dans le désert où des témoins ont aperçu Jackie Wang. Oui, je suis au courant. Et il faudrait que vous y alliez avec l'officier Emilio pour que vous lui montriez un petit peu à quoi ressemble un interrogatoire, une enquête. Oui, bah il devrait plus tarder de toute façon, donc je vais l'attendre au petit salon. Merci Rosie. Merci, de rien. Bon.
On va attendre de nouvelles recrues. Bon, allez. Bon, apparemment, ouais, regardez. C'est ici, il y a des traces de sang, c'est ici qu'il a été tué. Là, par là. Ouais. Donc, attends, il y a eu une... Ah oui, l'impact a été violent ici. Apparemment, d'après les témoins, la balle serait venue du pont là-bas, là. Bon, voilà, j'ai jeté un coup d'œil. Ouais, ouais. Fais gaffe, fais attention. Ben toi, j'allais dire la même chose. Ouais. Oh là, la voiture a failli me shooter. Attends, on va attendre que le 4x4 passe. Pas mal, là. Attends, hop. ça va, j'ai rien. Ça va. Ça va, mon pompier. Oui. Oui, ça va très bien. Bonjour, Rosy. Ah, bonjour, officier Emilio. Vous allez bien? Oui, et vous? Oh oui. Je suis désolé, je suis un peu en retard. Il y a eu un accident sur la route. Un accident? J'ai été obligé de faire les premiers soins. Ah bon, il y a eu un accident. Ah. Oui, oui. En traversant, il s'est fait percuter. Ah d'accord. Ah oui, je suis désolé pour vous. Du coup, il y a l'humain Albert qui vous attend derrière au petit salon. Apparemment, vous allez partir sur une enquête. Donc, il va vous montrer comment faire une enquête, une interrogatoire. Donc, voilà. Donc, il vous attend derrière. D'accord. Je te remercie, Rosy. Y a pas de quoi. Ah, officier, mais je vous attendais, monsieur Emilio. Bonjour, lieutenant Albert. Bonjour. Désolé pour le retard. Ouais, bah j'ai bien vu. J'ai été obligé d'intervenir parce qu'il y a une personne âgée qui s'est fait écraser par une voiture. Ouh là là. Et la voiture a pris la fuite et je crois que la vieille dame est entre la vie et la mort. Délit de fuite. Oh, ça va nous faire un suspect de plus à arrêter. Oui. Bon, on enquêtera sur ça plus tard. Pour l'instant, il faut que tu viennes avec moi au bar de Suzette dans le désert. Donc, Suzette, c'est une personne qu'on a déjà eu affaire, hein, parce que c'est un bar où il y a eu un homicide auparavant. Rosie vient de me dire que mon père est parti en enquête avec l'adjudant Bernard, enquêter sur l'homicide d'un biker. Et ce biker en question, c'est lui qui avait assassiné le gérant du bar à l'époque, dans le temps. Et on doit aller là-bas parce qu'il y a un de nos fugitifs, Jackie Wang, que je vous en ai parlé l'autre jour. Et il a été aperçu dans le désert. Et apparemment, des témoins l'auront vu rentrer dans ce bar, donc on retourne là-bas pour enquêter, mais cette fois-ci sur une autre personne. D'accord. Donc suivez-moi, hein, on va y aller. Bon, Rosie, on est parti. Ah, d'accord. Donc, on est parti dans le désert, hein, au bar de Suzette. Ok, bonne journée à vous. Ouais, bonne journée, Rosie. Bonne journée, Rosie. Oui, bonne journée, Emilio. Bon, allez, viens. On va aller dans le désert. Ça va changer un peu de la ville. Bah ouais, t'inquiète pas. Je vais te montrer comment on mène un véritable interrogatoire. D'accord. Et une enquête. Voilà, t'es prêt? C'est parti, ouais. Ok. Bon. Bon, sinon, t'as bien dormi? Oui, j'ai bien dormi. Alors, du coup, tu me disais, t'as été en intervention tout à l'heure. Oui, j'étais obligé de porter le premier secours à 8 personnes.
Ah là 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 là. Bon, de toute manière, ça va. Malheureusement, on va pas s'en sortir. Bah, de toute manière, il faudra retrouver le gars qui est parti en délit de fuite. Parce que comme l'affaire vient d'être. Vient d'arriver, c'est pas encore passé dans les journaux. Mais après, je suis sûr qu'on va nous demander de mener cette enquête. Bah, je pense qu'il y a eu des témoins. Hein. Je crois qu'il y a une personne qui a filmé la scène. Ah, bah, c'est déjà ça. Oh! Alors. Est-ce qu'on t'a dit que les experts sont venus et est-ce qu'ils ont trouvé des traces de pas ou des. Ou est-ce qu'ils ont. Je sais pas, parce qu'après, il aurait pu tirer la balle de n'importe où! De là-haut, de là où je suis! Mais écoute, le boss, il m'a dit que. Le corps est parti en autopsie et puis. Et puis ils ont trouvé une balle de sniper. Au bah pire, c'est pour il faudrait ce que tu fasses. Il faudrait que je me positionne comme si j'étais la victime au bout comme ça. Et ouais. Pour voir l'angle de la balle. Pas la victime, le tueur tu veux dire. Bah oui, le tueur, oui. Oui, mais moi il faut que je me mette au bout. Donc toi, ça fait comme si tu serais le tueur et puis moi la victime au bout. Ah, tu veux te mettre au fond là-bas? Oui. Voilà. Ah d'accord, bah ok, vas-y. Bon, allez, donc voilà, Suzette c'est quelqu'un de très très gentil, donc faut pas trop la brusquer. Hein. Bon allez. Ouais. C'est ici qu'avait eu lieu le meurtre, la affaire Dicelle dont je t'en avais parlé là. Oui. Ici à peu près. Ouais. Ici. Et du coup, c'est la deuxième fois que j'ai enquêté ici. Donc, Suzette, on va voir si elle va me reconnaître. Allez, viens, ouais. Suis-moi, Emilio. Bon. Bonjour Suzette, vous vous souvenez de moi? Ah mais oui, c'est vous qui étiez venu enquêter sur la mort de mon ancien patron. C'est ça, vous me reconnaissez, j'étais venu avec mon père, si vous vous souvenez. Donc là, je vous présente l'officier Emilio, donc c'est un nouvel officier dans la brigade, et du coup, je le forme en fait, et du coup là, comme je suis venu pour une enquête, il va voir comment se tient une enquête, quoi. Ah bah bonjour Emilio. Bonjour Emilio. Du coup, avant de commencer, mademoiselle, je vous avais pas dit de ranger les billets, le bang, parce que je vous avais dit, hein, ça pourrait se retourner contre vous et vous pourrez avoir des soucis. Hein. C'est illégal, ça. Ah oui, mais j'ai pas... parce que en fait, j'avais rangé le bang que vous m'avez dit avant, mais le truc, c'est que il avait été racheté après... par une autre personne et ça lui appartient. Ah, une autre personne a racheté ce bar. Oui, du coup, j'avais un nouveau patron. Ah. Mais il s'est barré avec un Chinois. Un Chinois, vous dites. Ah, du coup, c'est pour ça que nous sommes venus. Parce que le Chinois en question, est-ce que vous savez qu'il est recherché par la police? Bah, j'avais comme un doute, hein, vu comment ils en parlaient, mais... Mais j'avais comme un doute, quoi. Pour se parler, il faudra crier, parce que c'est loin, hein. Ouais, t'inquiète. Ok. Vas-y, t'es où? Attends, il faut que je traverse, ça, j'ai pas envie de me faire écraser comme toi. Oh, putain, j'ai une crampe. Ah ben. Aïe. C'est bon. C'est moi là, mon pauvre vieux! Ok! Alors, attends, j'en garde! Apparemment, le tir était en diagonale. Attends, je monte là-haut, voir un peu comment ça donne. Ah non! Il aurait pas pu tirer de là, il y a des barreaux! Qu'est-ce que t'as dit? J'ai mal entendu! Il a pas pu tirer de là! Parce qu'il y a des barreaux!
Bon, attends, je descends un peu plus bas. Il est recherché par toutes les brigades de police. Il s'appelle Jackie Wang et justement, c'est pour ça que je suis là, avec l'officier Emilio pour mener cette enquête. Donc, comment s'appelle la personne qui vous a racheté, qui a racheté le bar après? Ben, il s'appelle Booba. Booba. Ce nom me dit rien. Ben non, mais en fait, Emilio est arrivé dans le désert. Et puis, il a appelé justement Booba. Apparemment, ce sont de vieux potes. Et du coup, ben, il était venu crécher ici 2-3 jours. D'accord, d'accord. Booba, ce serait pas le rappeur? Non, non, il s'appelle Booba, mais c'est pas le même. Ouais. Ah, du coup, est-ce que votre Booba là, il reviendra? Ben, du coup, non, on cherche un nouvel acheteur parce que justement, Booba a décidé de suivre ce Jackie Wang, comme vous dites, s'il s'appelle comme ça, et du coup, il va essayer de le cacher pour éviter qu'il se fasse prendre. C'est ce que j'ai entendu, mais les voix étaient tellement basses, ils ont rien voulu me dire, mais j'avais entendu un truc de genre. Hey, pour moi, c'est ici le meilleur angle. Ouais. Ouais, parce que là où t'es, bah il est mort ici. Ouais. Et du coup, comme la balle était en diagonale, d'après les témoins, à mon avis, il n'a pas pu tirer de là-haut. D'accord, et est-ce que tu vois des traces de poudre ou pas? Des traces de quoi? J'ai pas entendu. De poudre. De poule. De poudre. Ah, de poudre! Oui! Non! Y'a rien! Ce Booba, même si je le connais pas, ce serait complicité de fugitif, quoi. Et voilà, donc du coup, ce serait un homme en plus à rechercher, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, lieutenant Albert? Oui, quoi? C'est que mademoiselle Suzette... Elle entend beaucoup de trucs. Elle a quoi? Des trucs. Elle entend beaucoup de trucs, des trucs assez suspects quand même. Ouais, oui. Elle appelle pas. Là, vous marquez un point, Emilio. Donc, oui, comme dit mon collègue, vous entendez beaucoup, beaucoup de choses. Mais pourquoi vous appelez pas la police? Bah, parce que, ce sont quand même des personnes, et comme vous dites, en plus, si c'est un fugitif, moi, je tiens à ma vie, hein, si j'appellerais la police, je pense qu'ils m'auront tué, ou ils m'auront fait quelque chose d'horrible, quoi, que je les aurais balancé. C'est pas faux, mais... Bah, on y a, alors J'arrive! Bon, on va pas se faire shooter comme tout à l'heure. Mais ça fait que de circuler. Bon, fou. Hop, j'y vais. Oh. Oh là là, lui, il a fait une déviation. Ouais, voilà. Eh, tu sais quoi, commissaire? On va aller interroger les gens là-bas. Ouais. Voir s'ils ont vu quelque chose. Oh, ça m'a donné le mal à la gorge à crier comme ça. Il faudra acheter des tocolines et des taki-walki. Hein. Booba. Oui. Vu que vous avez pas voulu appeler la police, est-il violent? Oh, excusez-moi. Je l'ai jamais vu dans des actes de violence. Mais je pense qu'avec son caractère, c'était une personne qu'il fallait pas trop faire chier. Après, je sais pas s'il est vraiment violent, hein. Je l'ai pas vu dans des actes illégaux ou dans des bagarres il avait l'air plutôt calme. D'accord. Et vous, personnellement, est-ce que vous avez excusez-moi maintenant, mais vous personnellement, est-ce que vous en avez peur?
Non, pas personnellement, mais par contre, il me faisait quand même un petit peu plus peur quand il était avec ce chinois. J'avais l'impression qu'à un moment donné, il voulait me prendre tous les deux en sandwich. Ah bon ? Oui, parce qu'il parlait de sexe et tout, comme quoi j'étais bonne, machin. Ah oui, mais on n'a pas besoin de savoir ces détails. Bon, excusez-moi, messieurs, dames. Voilà, je suis l'adjudant Bernard. Et voici mon collègue, le commissaire Roger. Donc bonjour. Vous devez nous connaître parce que on est tellement connus dans la ville. Et je voudrais savoir, nous enquêtons sur l'homicide qui s'est passé dans le coin là-bas. Et je voudrais savoir si vous pourrez nous aider à y voir un peu plus clair. Attends, moi je retire mon argent et en fait quand il est mort. J'ai vu le type tomber, mais franchement, j'ai pas vu le tueur, j'ai juste vu le mec tomber. Ah bon ? Vous avez vu la balle de quelle direction elle venait ? Ben, vu qu'il a été touché à la tête du côté droit, je pense que la balle était en diagonale. Elle devait venir, le tueur devait se situer soit sur le pont ou peut-être au pied du pont, je sais pas, mais dans ces coins-là. Ouais, c'est ce qui me semblait. Mais moi, ce que je voulais vous dire, Booba, il ressemble à quoi? Bah, en fait, c'est un Renoir avec une coupe rouge, un boîtier rouge. D'accord. Et du coup, donc il s'est barré avec Jackie Wang, c'est bien ça? Oui, oui. Donc, on va essayer de faire le tour pour essayer de trouver si on voit des indices qu'auront pu nous dire ou pourront aller se cacher Jackie Wang et Booba. Et on revient à Suzette. D'accord, mais ne cassez pas tout comme la dernière fois avec votre père. Hein. Vous avez tout foutu sans dessus dessous. Oui, non, là, on va juste regarder, hein, on va rien faire d'autre. Bon, à tout à l'heure. Donc, Emilio, viens, je vais te montrer comment faire une fouille. D'accord. Donc, on va rentrer ici. Donc là, mais elle a pas ramassé l'argent. Oh là là, il y a pas mal d'argent. Ouais. Ah oui, parce que il faut dire que l'ancien patron, on va dire maintenant les anciens patrons de Suzette, ils étaient beaucoup dans le business et le trafic illégal. D'accord. Donc, ça se pourrait bien qu'il puisse y avoir des empreintes, vous pensez pas? Bah, je sais pas s'ils sont allés dans la pièce là, mais t'as entendu ce qu'a dit Suzette? Apparemment, mais déjà, si Booba est le nouveau propriétaire, forcément, il a touché à quelque chose. Et s'il est connu dans nos fichiers, il va direct ressortir. Bah, on regardera arriver au poste si ce Booba, il est connu dans nos services. Mais par contre, parce que s'il est connu dans nos services, il n'est pas connu dans notre brigade, parce que ni moi, ni mon père, ni Bernard n'avons entendu parler de ce Booba, mais peut-être qu'il est connu dans une autre brigade policière. Bon, ah oui, il faudrait se renseigner. Ouais, c'est ce qu'on va faire en rentrant au poste, mais en attendant, on va essayer de... C'est Jackie Wang qui m'intéresse le plus. Après, Booba, on verra plus tard, parce que Jackie Wang, ça fait une plombe qu'on lui court après. D'accord. Bon. Alors, t'as entendu ce qu'avait dit Suzette? Apparemment, Booba l'a logé 2-3 jours ici, donc on va aller voir au niveau de là où ouais, il dormait. Du coup, ouais, ça va pas nous aider. Comment on pourra identifier le tueur? Il a laissé aucune trace, c'est un professionnel, hein. Par contre, vous êtes fait avaler votre carte, hein. Bah oui, faut que j'appelle la banque, hein. Ah bah oui. Ah ouais, vous avez fait 3 erreurs de code. Vous vous souvenez plus votre code? Ça serait peut-être une carte volée, non?
Ah non, 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 je vous assure, monsieur, c'est pas une carte volée, hein. Mais, non, 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 je vous assure, c'est pas une carte volée, hein. C'est ma carte, mais je viens de la voir et j'ai pas retenu le code par cœur. Ah, d'accord, madame. Ok, d'accord. Bon, on vous laisse, donc n'hésitez pas à appeler au privé de votre banque, hein. Oui, oui. Bon, ah. Bah, le commissaire... On a résolu, hein. Bah, ouais, une affaire de cartes, là, cette fois-ci. Comment ? Une affaire de cartes. Ouais. Ah là 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 là. Il va faire bientôt nuit, en plus. Bon, n'avance pas. Bon, allez. Ouais. Bon, on retourne à la brigade. Bah, ouais. Ouais. On va dire ce qu'on a trouvé, hein, et puis... Bah, pas grand chose, hein. Ça change pas. Donc, je sais pas s'il dormait sur le canapé ou là, mais on va. S'il était ici, on va peut-être trouver un indice. J'oserais pas dormir dans ça, hein. Pourquoi ? Bah, c'est pas très propre, hein. Ah bah oui, hein, que veux-tu, comme t'as dit comme t'as dit dehors, c'est un vieux taudis. Ouais, oui. Donc, est-ce que tu vois des preuves par terre, des preuves matérielles ? Non, je vois rien. Tiens, il y a une photo par terre. Ah non, c'est une meuf à poil. Non, ça va pas nous aider, ça. Il y en a pas mal sur les murs, hein. Ouais, bah ça, c'était son ancien patron qui a été tué, dont on avait mené l'enquête, Ferdicel, parce que il était fan de moto, donc c'était à lui. Du coup, les affiches sont restées, quoi. Ouais, fan de moto et de femme aussi. On va retourner voir Suzette. D'accord. Suzette ? Oui ? Je voulais savoir, votre ancien patron, Ferdicel, quand il était tué, pourquoi vous avez gardé des traces, même des cadres de ses motos, les femmes à moitié dénudées parce que franchement, moi j'aurais été à votre place, votre ancien patron mort, j'aurais tout enlevé, histoire d'éviter de rappeler... ces souvenirs, parce que là, ça fait quand même un peu glauque, comme on dit. Oui, mais voilà, j'aimais bien, moi, mon ancien patron, Ferdicel. Il était très, très doux, très gentil avec moi, et j'ai gardé ça pour avoir un énorme souvenir de lui, quoi. D'accord. Bon, par contre, faudra que vous pensiez à enlever le bang, les l'argent, bah, les bières aussi qui traînent, parce que ça fait pas très propre. Et l'argent dans la pièce à côté aussi, il y a encore les sacs, parce que là, faudrait tout envoyer ça à la brigade pour que, bah ce sont des pièces à conviction quoi. Oui, oui, j'y penserai. J'espère. Bon, bah office, hein ? Non, je voulais demander à Suzette si à garder les photos de... Enfin, les photos, les posters, tout ça, je pense que cette dame-là était amoureuse de Ferdicel. Vous étiez amoureuse de Ferdicel ? Ben, il faut dire qu'il me faisait des fois des avances, mais bon, il se passait pas grand-chose. Ben, après, je vais vous l'avouer, j'ai quand même couché 2-3 fois avec lui. Mais ça allait pas plus loin, c'était pas comme si c'était mon petit copain, quoi. En gros, excusez-moi d'être cru, vous étiez une salope. Non, mais c'est... Bah, si, je regrette, vous couchez avec un type comme ça, et c'est pas votre petite amie. Vous avez couché avec Booba aussi ? Ah non, non, non. Lui, il m'a fait des avances, mais... Non, non, j'ai pas couché avec lui. Bon, d'accord. Avec Jackie Wang. Non, c'est pas Jackie Wang. Jackie Wang, les Chinois avec qui il était ? Oui. Oui. Non, non, mais j'ai pas. Si je couchais pas avec Booba, j'allais pas coucher avec son copain quand même. Non, mais voilà, on pose des questions peut-être indiscrètes, mais on a besoin de savoir.
Parce que là, pour l'instant, vous avez caché quand même deux fugitifs, quoi. Mais bon, après, je comprends que vous avez pas osé nous appeler par peur. Par peur de comment... Bah, des représailles qu'aurait pu avoir Booba ou Jackie Wang sur vous. Mais voilà, vous n'êtes pas non plus resté scotché dans le bar. Il y a bien des moments où vous êtes quand même assez éloigné, assez seul d'eux. Donc vous aurez pu les appeler. Nous appeler, je veux dire. Oui, oui, mais je sais, mais voilà quoi. Moi, il me faisait peur. Donc je voulais pas attirer l'attention. Mais maintenant, si je vous en parle, c'est parce que ça fait au moins 3-4 jours que Booba n'est pas rentré. Il est parti avec ce Jackie Wang. Et du coup, voilà. Mais par contre, si vous les coincez, dites pas que je vous ai dit, hein. Non, non, vous inquiétez pas. Nous, on va pas dire. Nous, notre rôle, c'est de les attraper. Après, on va pas dire que vous avez témoigné. Non, non, ça restera secret. Mais par contre, commissaire Albert. Non, lieutenant, moi, je suis pas commissaire. Lieutenant, excusez-moi. Oui, non, non, c'est pas grave. Oui. Vu que Suzette. A pas témoigné, enfin, a pas, oui, témoigné pour deux fois, quoi. Ça fait déjà la deuxième fois. Cette dame-là, elle a un casier judiciaire. Non, vous avez. Non, elle est pas connue, Suzette des forces de police. Oui, mais il faudrait quand même marquer que cette personne. Bah, après, oui. A pas témoigné deux fois, quoi. Parce mon collègue. Quand même, Oui, c'est vrai que mon collègue, il a pas tort, parce que. On est obligé de signaler ça dans le rapport. On n'a pas le choix, mademoiselle. Vous avez été quand même complicité d'héberger quand même un fugitif, quoi. On va dire deux, parce que même si Booba, on le connaît pas, il fait partie quand même d'un fugitif, parce qu'il s'est, il est parti avec un fugitif. Donc, on n'a pas le choix de le signaler dans le rapport. Donc, après, on verra si vous aurez des nouvelles de nous, mais c'est pas très appréciable, mademoiselle. Oh non, s'il vous plaît, j'ai pas envie d'avoir problème. J'ai un petit garçon, j'ai pas envie qu'il se retrouve orphelin, parce que son père, il est décédé. Ah. Ah ouais, mais... Il faut y penser avant. C'est exactement ce que j'allais dire. Bon, on verra ça, mais pour l'instant, on n'a pas le choix de... Pour l'instant, on a des choses plus importantes à régler, mais on n'a pas le choix de le signaler dans le rapport. Donc, officier Emilio, on va repartir à la brigade. On a fini notre D'accord. enquête. Donc ça va, on en a quand même su un peu plus sur Jackie Wang. On sait qu'il n'est pas tout seul. Et du coup, bah, on va les retrouver, quoi. Faudrait qu'on se renseigne sur ce Booba. À la brigade, on fera ça. Ça marche. Au commissariat. Bon, bah, mademoiselle, on vous laisse. Et si, par exemple, je vous le dis bien, si Booba est refait surface, ou même Jackie Wang, ou s'il y a un truc suspect, même si c'est passé de là, mais si vous voyez un truc suspect, surtout, n'hésitez pas à nous appeler et n'attendez pas. D'accord, monsieur, je vous promets, je vous appelle. J'espère. Bon, allez, on y va, officier. Au revoir. Au revoir. Au revoir, messieurs les agents. Bon, allez. Alors, t'as vu à quoi ça ressemblait, une interrogatoire ? Oui, oui, j'ai bien vu. Surtout, pas faire le petit bonhomme. Montrer que c'est toi le patron. Hein ? Je pense que Suzette, dans le fond, est pas méchante. Non, elle est pas méchante, c'est juste qu'elle a peur. Allez, on y va. Bon. Oh, nique sa mère, vas-y. Oh là là, ça me saoule, voilà, c'est bon. Putain, comment ça caille, hein. Pourtant, il y a le feu, là, j'ai mis la cheminée, mais là, ça passe pas, là. J'ai trop froid, ce soir, ça rase. Bon, qu'est-ce que je vais faire? Putain, je me fais chier, grave. Oh là, je sais pas quoi faire. Bon. Ah. Ah, 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 ah. Ouais, c'est qui? Ouais, c'est Barf, frérot, là. Oh, Barf! Bah, vas-y, rentre ma couille! Vas-y.
Ouais, comment ça va, ma gueule? Bien, toi, frérot. Bah ouais, nickel. Alors, t'as laissé... Eh, mais toi, t'es chez moi, mais les keufs, ils t'ont pas suivi, au moins. Que non, j'ai pas non, envie... Ah ouais, j'ai pas envie que tu ramènes les poulets chez moi, quoi. Non, non, t'inquiète pas, hein. Ouais, je t'avais dit de passer à l'occasion, mais discret, quoi. Wow, putain, elle était bien, là, mon enfoiré, hein. T'as vu, elle claque, ma nouvelle baraque, hein. Putain. Ouais. Et du coup, voilà... Bah non, pourtant, mais voilà... Tu sais, entre ma femme et... Bah tu sais, je t'avais parlé de mon ex, là, qui m'avait... Qui s'était barré avec mes deux gosses, là. Ouais. Et ben, tu vois, on était dans une putain de baraque ici avant, en famille, là, tu vois. Et du coup, vu qu'on y est plus, bah, il y a l'héritage de la baraque, donc on était obligé de partager à deux. Donc voilà, on a quand même gagné la maison, elle valait cher. On a quand même gagné une putain de grosse somme, mec. Et du coup, j'ai pu m'acheter une nouvelle baraque à moi tout seul, là. Putain, ouais. Alors, qu'est-ce que tu deviens, mec? Pas rien. Ça va, t'arrives à... T'es toujours... Je vois que t'arrives toujours à fuir les keufs parce que t'es toujours là, t'es même pas en zombie encore, hein. Non, j'arrive pas à me choper, je te dis, une fois pour jamais. Ah, c'est tranquille, ça. Bon, je sais pas, moi, tu veux boire un coup? Ouais, vas-y, t'as quoi? Ouais, j'ai quoi? J'ai du Sky, j'ai du Pastis, j'ai du rhum, de la vodka, Ah, je vois que t'as une bouteille de rouge, là. Ouais, t'aimes bien le rouge, toi? Ouais, j'aime bien, moi. Ah, je pensais pas. Bah, vas-y, bois la Taibou, ou bois dans le verre à côté, je sais pas, moi. T'inquiète. Ouais, je vais boire dans le verre, hein. T'as vu, je suis pas mal poli, quand même. Ouais, t'inquiète. Putain, il est bon, sa mère. T'inquiète, moi, j'ai préparé mon verre, là, devant, là. Voilà, j'allais boire un verre tout seul, mais vu que t'es là... T'inquiète, hein, voilà, tu vois, moi je. Je bois mon petit Sky Coca là, hop, cul sec, t'as vu ça, mon gars? C'est quoi ton Sky là? Un Sky vert? Bah ouais, c'est. Mais c'est du. Et c'est du Jack Daniels, mon copain! Ouais. Ah ouais, pourtant, tu vois, il y en a plein qui me disent ils se mélangent pas que le Coca, mais moi je m'en bats la race, moi je le mélange! Ah ouais. Ouais. Franchement, ton appart là il est propre, hein. Franchement. Ouais, mais moi je suis très maniaque, tu vois. Attends, je vais mater la vue là. Ouah, putain, il faut pas avoir un vertige, frère. Hein. Bon, ça va, y a la vitre qui nous sépare, à moins que tu passes à travers la vitre, mais bon. Je vois là le vertige, hein. Ouais, tu sais quoi, en plus, frérot, franchement, je suis vraiment désolé, mais t'es mal tombé ce soir, parce que je te dis, j'ai une journée de dingue, et je suis vraiment fatigué, frérot. Mais si tu veux... Je sais, hein. Ouais, mais tu sais quoi, si tu veux, franchement, pour te dire que ça fait vraiment plaisir de te voir, Makai, on a qu'à passer la journée ensemble... aujourd'hui, quoi, je veux dire, on a qu'à passer, je sais pas, dans l'après-midi, on a qu'à se capter, quoi, et puis on passe, on passe la soirée ensemble, quoi. Ouais, vas-y, moi, je connais une bonne épicerie, là, qui vend de la bonne cheese, tu sais, c'est rue Moulinsart. La rue Moulinsart, elle se trouve vers où, celle-là? Je crois que c'est vers le sud, mais c'est pas très loin, si tu veux, on se retrouve là-bas, en début d'après-midi. Eh, franchement, ça roule, Makai. On se retrouve à la rue Moulinsart. Je trouverais bien, de toute manière, il y a des panneaux. Et du coup, je te dis à plus tard, quoi. Ouais, t'inquiète. De toute façon, elle est connue, cette épicerie-là. Ok, ça marche. Je vais dormir un petit peu. Et puis, voilà. Toi, surtout, te fais pas pécho. Et puis, on se retrouve là-bas, quoi. Hein? Ouais, ça marche. Ouais. Et on va te dire de la tease, on va se mettre bien, quoi. Rue Moulinsart, t'as dit, hein. Ouais, c'est ça, ouais. Ok, ça roule. Allez, ma gueule. Oh putain, nique sa mère, comment je suis crevé, moi. Ouais, mais... Non, je vais pas me coucher maintenant, je sais ce que je vais faire, putain. Et je crois que ça va être bien pour beaucoup de personnes. Vas-y, j'y vais, hop. Allez, vas-y, je vais le faire maintenant, parce que... Voilà. Et j'irai dormir plus tard. Bon. Vas-y, hop, je prends ma caisse. Allez, vas-y.
détour pour ceux qui baissent sans faire l'amour. Je baisse l'État, dis-leur que je baisse l'État. Et Nicolas Sarkozy, je baisse plus d'une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, je le baisse. Putain, c'est ça le commissariat de cette ville. Comment c'est grand. Ah putain, j'aime pas y aller là-dedans. Bon. Waouh. Il est immense, commissariat, putain. Bon. Oui, c'est qui ? Bonjour, mademoiselle. J'aimerais parler à un commissaire, s'il vous plaît. Ok, je vous fais rentrer. Je vous ouvre. D'accord, merci. Oui, bonjour mademoiselle. Bonjour, donc vous voulez parler à un commissaire? Ouais, s'il vous plaît, c'est très urgent. D'accord. Commissaire Roger? Oui, Roger. Il y a un jeune homme qui voudrait vous parler. J'arrive. Merci mademoiselle. Bonjour monsieur. Voilà, j'aimerais vous parler, s'il vous plaît, de quelque chose de très important. Oui, venez, suivez-moi. D'accord. Eh, hey, vous n'empêche, je savais pas que le commissariat de cette ville était aussi grand. Bon, qu'est-ce que vous voulez me dire? Voilà, j'ai entendu que vous étiez à la recherche d'un dénommé Bart, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Si vous voulez, je peux vous dire où il est. Où je dois le retrouver, bien sûr, tout à l'heure. Mais comment le connaissez-vous? Bah en fait, je vais vous dire la vérité, Bart et moi, on se connaît depuis très très longtemps, c'était un de mes potes d'enfance. Et on s'est revus récemment, on s'est revus en boîte de nuit, on a passé la usoirée ensemble. Bah, une petite soirée, parce que je lui ai dit que j'étais crevé. Et si vous voulez, je peux vous dire où le retrouver, quoi. Ben oui, mais vous dites que vous êtes amis, mais pourquoi le dénoncer, alors? Bah voilà. Au départ, je voulais bah, je voulais faire en sorte qu'il se fasse pas attraper, que voilà, avec lui, j'étais content de le revoir, machin, voilà. Et du coup, mais j'ai repensé à un truc. Quand on était, je me rappelle quand on était au lycée ensemble, au collège, excusez-moi, non, parce que le lycée, même moi, j'y ai pas été. Non, quand on était au collège ensemble, je me rappelle, j'étais fou amoureux d'une fille. Et voilà, on était sortis ensemble et à un moment donné, j'avais appris par ses copines qu'elle m'avait rendu cocu. Et du coup, je savais pas par qui et ses copines m'avaient donné rendez-vous, dire bah si tu nous crois pas, va au parc. Il y avait un parc qu'on allait souvent squatter. Va au parc à telle heure et tu verras. Et j'ai vu qu'elle m'avait rendu cocu avec mon meilleur ami, Bart. C'était mon meilleur ami à l'époque. Et là, récemment, j'y croyais encore, mais j'ai repensé à cette histoire du passé. Et je me suis dit, voilà, j'ai envie. C'est maintenant que la vengeance a sonné. Et j'ai envie de vous le donner sur un plateau. D'accord. Alors, dites-moi où. Alors, où je peux que. Vous trouver. Que les choses soient claires, j'ai entendu dire que Bart il valait $1 million. Est-ce que je toucherai la somme? Bah, vous le toucherez, vous la toucherez en deux parties. Une fois qu'il sera interpellé, d'accord. Que c'est sûr que les lieux que vous allez nous donner soient vrais. D'accord. Et la deuxième partie, vous l'aurez dès qu'il sera derrière les barreaux. D'accord. Parce que c'est vous le commissaire Roger, parce que Bard m'en a parlé, il m'a dit de se méfier de vous, justement, ainsi non, que non, votre... Mais moi, après, voilà, moi je suis policier, je fais mon métier, vous aurez votre récompense, hein. De toute façon, ce sera l'État qui vous donnera ça, mais ce sera en deux parties, quoi. D'accord.
Bon bah du coup voilà, je vais vous le donner, mais je voulais savoir, est-ce que je risquerais d'avoir des soucis vu que j'étais avec lui quand même récemment et je savais pas qu'il était recherché au départ. Parce que moi je viens d'une autre ville. Bah, écoutez, je pense pas que vu que c'est une personne qui est recherchée, je pense pas que il va passer au tribunal. De toute façon, sa peine elle est déjà connue, donc on dira pas que quelqu'un l'a dénoncé, quoi. Donc voilà. Donc je vais tout vous expliquer. Donc en fait, j'étais censé leur. En fait, voilà, il est passé chez moi hier soir et il m'avait demandé, en fait, je lui avais proposé à ce qu'on passerait la journée ensemble et même la soirée. Et du coup, il m'avait dit qu'on allait, avant, on ira chercher des bouteilles d'alcool. Et du coup, il m'a donné une épicerie où il connaissait apparemment des bons alcools. Et du coup, ça se situerait dans la rue Moulinsart. Ah oui, je vois cette rue, oui. Ouais, et bah il y a une épicerie ici et c'est là que Bart doit me retrouver en début d'après-midi. D'accord. Ouais. Donc du coup je vais appeler un de mes collègues parce que d'accord. Lui il sera ravi de l'interpeller vu que il l'avait déjà interpellé une fois mais il s'avait échappé de sa voiture quoi. Ah. Ah, je crois qu'il m'en avait parlé de ça, justement. Oui, oui. C'était pas votre fils qui l'avait interpellé ? Oui, oui, c'est ça. D'accord. On fait comme ça. J'espère que vous allez me laisser tranquille. J'espère que j'aurai pas d'ennui, hein, parce que je voulais donner sur un plateau, quand même. Non, vous n'aurez pas d'ennui. Hein. D'accord. Bon, je vous laisse, commissaire, et... J'espère que vous l'aurez appréhendé. Par contre, une chose, dites bien à votre fils que de pas donner mon nom, comme quoi je l'aurais balancé, hein, parce que Bart, je sais que c'est un fou et j'ai pas envie de me faire, j'ai pas envie de surveiller mes arrières, quoi. Non, mais vous inquiétez pas. De toute façon, s'il est interpellé, c'est direction prison. D'accord. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Je vais appeler le fiston, il va être bien content, tiens. Ouais, allô? Ouais, fiston. Ah, salut papa, tu vas bien? Ouais, toi? Ouais, ça va, ouais. Écoute, tu vas être très heureux. Ah bon? T'as une bonne nouvelle à m'annoncer? Oui. Alors, il faut que tu te rendes en rue Moulinsart. Tu sais, la petite épicerie. Ouais, je vois où elle est, ouais. Au début d'après-midi. Ah bon, pourquoi? Il y a quoi là-bas? Parce que il y a un témoin qui est venu me dire que Bart allait là-bas. Bart? Oui. Et t'es sûr de ce témoin? T'es sûr qu'il t'a pas amené en bateau? Non, il m'a raconté comme quoi que c'était une sorte de petite vengeance parce que Bart avait piqué sa petite amie à l'époque. Oh ma parole, avec les nouvelles caisses qu'on a, et là il pourra plus sauter de la voiture, putain, je vais l'interpeller, t'inquiète pas papa, tu peux compter sur moi. Ça marche. Ok, à plus tard. Ouais, à plus, bon courage fiston. Merci, t'inquiète pas, avec moi il va pas faire long feu. Ok. Putain, mais il est même pas encore là. Qu'est-ce qu'il fout? Putain, j'aime pas ça là. On donne des ordres au rendez-vous et puis il est pas là là. Putain. Oh là 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 là. Ouais, vas-y, moi je vais. Je
rentrant dedans, je vais commencer parce que s'il y a les ch'tards qui me repèrent. Ouais, bonjour. Bonjour. Alors, on va prendre quoi? Non, ça c'est de la piste de chat là, la Inken, là. C'est pour les petits joueurs ça. On va prendre la 8-6. Je sais pas, il veut grave quoi lui aussi là. Pour la pizza, hein. Prendre des pizzas. Je sais même pas quoi prendre. Je sais même pas, il mange quoi comme pizza là. Bon. C'est bon, je suis arrivé à la rue Moulinsart. Bon alors. Elle est où ce putain d'épicerie? Ah, c'est celle-là. J'hallucine, il est là. Mon père avait raison. Il y a sa voiture. Vas-y, il faut pas qu'il me repère. Je vais me garer. Je vais faire le tour de la station. Je vais aller par là. Voilà. Et voilà. Et je vais m'arrêter. Hop. Vas-y. Il faut pas qu'il me repère. Je vais attendre qu'il sort. Il va être surprise, Coco. Oh putain, si je me mets là, il va me voir à travers la vitre. Vas-y, je vais prendre des paquets de chips, mais putain, mais je sais pas ce qu'il fout. Hein. C'est bizarre quand même qu'il est pas là. Hein. Bonjour monsieur. Bonjour. Donc, vous prenez tout ça? Oui. D'accord. Donc, ça vous fera un total de $250. Tenez. Je vous remercie. Oh, au plaisir. Merci à vous. Passez une bonne journée, messieurs. Merci à vous aussi, monsieur. Au revoir. Au revoir. Salut, Bart. Comment on se retrouve? Oh, putain. Les mains en l'air. Allez, bouge plus. Maintenant, tu t'échapperas plus. Espèce d'envoi parfait, va. Allez, viens, avance, avance. Voilà, là tu vas tout droit en prison, mon gars. Allez, avance, avance. Bah, par où? Bah, vers la voiture, du con. Putain, c'est qui m'a balance là? Qui t'a balance? Y'a personne qui t'a balance. Allez, monte. Hop, et voilà. Et là, tu pourras plus sauter de la voiture parce que c'est une nouvelle voiture. Elles ont un détecteur de porte qu'on peut pas ouvrir de l'intérieur. T'es baisé, mon gars. Qui m'a balance? Y'a personne qui t'a balance. Je faisais ma ronde et j'ai reconnu ta voiture avec du pot. Là, je peux au moins retenir ma revengeance quand tu t'es échappé de ma voiture la dernière fois. Oh là là, ça y est, il va recommencer, il va bander là. Ouais, ouais, ouais. Alors, t'as pris mon corps, hein? Ma prime, mais en tout cas, toi, ça fait longtemps qu'on te court après. Il est où ton copain, là, Jackie Wang, là? Vous avez été ensemble à un moment donné? Aucune idée, je sais pas c'est qui. Tu sais pas c'est qui? On sait que vous étiez, par rapport à des témoins, là, regarder un feu d'artifice, sur la plage et tout. Ah, on est au courant de tout. On vous a pisté. Je sais pas, j'ai vu R, moi, t'as vu. T'as vu quoi? J'ai vu R. Ouais, ah ouais. Que dalle, rien, personne. Mais de toute manière, ton jugement, tu vas en zomprie, et ton jugement se fera. T'auras une date de jugement par la suite. Bah, il sait même pas conduire. Ils ont qu'à avancer, les gens, mais qu'est-ce qu'ils ont là aujourd'hui là? Passe mal volant. Bah, ouais, c'est ça. Vas-y, passe pas le volant, je vais te faire montrer comment on pilote, toi. Toi, tu la fermes. Durant tout le voyage, je veux pas t'entendre. C'est qui m'a balance? Y'a personne qui t'a balance. Je suis passé par hasard par là. Allez. J'ai reconnu ta voiture. Je vais dans les endroits les plus discrets de la ville. Je vous fais cavaler depuis plus de 6 mois et... Je me suis jamais fait choper, et puis là je me fais choper comme par hasard.
Ouais, et bien chopé, hein. Je t'ai cueilli comme une fleur, mon gars. Comme une fleur, mon gars. Ouais, ouais. Tu feras pas le malin là, quand les détenus vont profiter de ton cul. Mais oui, bien sûr. Tu crois ça? Eh ouais. T'inquiète pas, j'ai des connaissances en prison. Ouais, ouais. Et comme pas, t'as pas changé. Toujours à faire ton malin, toi. Eh oui. On change pas un homme, hein. Ça y est, on arrive dans ta nouvelle maison. Ouais. Ouais, ouais. T'es content. Eh ouais, même très content, tu veux, j'ai la trique d'enfer. T'inquiète pas, j'y resterai pas des années, t'inquiète pas. Ouais, ouais, c'est ça. Bon, allez. Descends. Non. Tu descends. Je t'ai dit non. Dépêche-toi. Putain. Ouais, je sais que c'est Milouz qui m'a balancé. C'est qui ça, Milouz? Ouais, elle fait pas style, hein. Non, non, mais je sais pas qui c'est, lui. Bon, maintenant. Je suis sûr que c'est lui. Ouais, tu crois ce que tu veux. Maintenant, tu prends tes jambes à ton cou et là, tu avances vers la prison. Ils t'attendent. Quel fils de pute, ce Milouz, là. Allez. Et te retourne pas, sinon c'est une balle dans la tête. Vas-y, ta gueule. Mais t'avais vraiment envie que je te fume? Blaireau. Putain, quel foutard ce Milouz là. Jamais dû lui faire confiance. Eh, je te retiens, vas-y, fais pas le malin. Vas-y, ta gueule, enculé là. Mais maman, j'avais plus faim, mais il faut que je sors parce que Elisa vient me chercher, elle a une surprise pour moi. Ah, Elisa ! Ah, décidément, au moins ça me touche que... Parce qu'il y a beaucoup de frères et sœurs hein, qui se disputent et ça me touche que vous passez du temps ensemble. Ben oui, elle est gentille, Elisa. Elle m'a même défendu contre un connard sur la plage qui m'a manqué de respect. Ah oui, mais bon, ne vous attirez pas trop de problèmes. Non, maman, c'est juré promis. C'est bon, maman. Elle est arrivée, j'entends le klaxon d'un scooter, ça doit être elle. Ok, mais fais attention, mon petit chatounet. Oui, maman. Salut, Sœurette. Salut, Edouard. Alors, c'était quoi la surprise? Et je vais t'emmener à un parc d'attraction où j'allais souvent quand j'étais enfant.
un parc d'attractions, mais c'est chouette, je vais faire du manège. Oh, t'es vraiment la meilleure sœur au monde. Eh bien, mon petit frère, on va s'éclater. Oh oui, je viens tout de suite. Eh, t'as pas des casques si on se fait arrêter par la police? On s'en fout, on s'arrêtera pas. Ah d'accord. Allez, on y va. Can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side. And now you gon' be with me for the last ride. So let the light guide your way, yeah. Hold every memory as you go. And every road you take will always lead you. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When